Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un reportage très spécial qui risque de vous plaire énormément. J'ai effectivement eu la chance d'être ici à la Fondation EDF à Paris pour rencontrer le créateur en personne, le créateur de Space Invader. Nous sommes donc effectivement à la Fondation EDF qui, pour la même occasion, organise l'exposition des jeux vidéo à travers le temps, que je vous invite à aller voir. Effectivement, ce soir, je vais avoir la chance de pouvoir assister à une conférence de la part du créateur de Space Invader, accompagné par Jean Z, journaliste à France Info, et je vais même pouvoir lui poser quelques questions par rapport à son ressenti et sa première visite sur Paris. Voilà, trêve de bavardage, je vous propose qu'on y aille tout de suite dans la salle de conférence qui se trouve juste derrière. C'est parti! Quand on a l'opportunité d'avoir le créateur, le concepteur de Space Invader, c'est-à-dire l'un des Big Bang qui a marqué le jeu vidéo à la fin des années 70, voilà, quand on vient en plus vous proposer l'île de le faire venir et de le faire présenter, participer à une masterclass, bon, on dit pas non, c'est tout, voilà. Donc j'ai pas dit non. Alors cette conférence, évidemment, elle se déroule à la Fondation EDF. Oui. Alors pourquoi la Fondation EDF, justement, qu'est-ce qui s'y passe pour ceux qui connaîtraient? Alors la Fondation EDF accueille jusqu'au 27 août, jusqu'à la fin du mois d'août, une exposition qui s'appelle Game, le jeu vidéo à travers le temps. Une histoire du jeu vidéo qui n'est pas chronologique, qui part du temps présent et qui va jusqu'au temps reculé et passer des années 50 pour savoir un peu pourquoi, comment on en est arrivé finalement là, c'est-à-dire un jeu vidéo qui a 1000 visages et qui pèse aujourd'hui lourd, hein, qui est dans le top 5 des divertissements. Alors, avant 72, il n'y avait rien, après 72 et Pong, il y a eu du jeu vidéo. Donc voilà, on explore un peu toutes ces idées. Et dans ce cadre-là, Florent Gorge, qui est éditeur au Maquet Books, une maison d'édition que je vous conseille, et qui est le biographe donc, de Tomohiro Nishikado, nous a proposé, nous a dit, bah, tiens, pour la sortie du livre, est-ce qu'on peut... Voilà, Game l'Expo, Tomohiro Nishikado, Space Invader, le livre, pourquoi pas faire un partenariat. Et voilà, j'ai dit oui, tout de suite. Je me doute bien, donc c'est lui qui vous a proposé, d'accord. C'est quand même très bien cette opportunité pour cette exposition. Oui, surtout que dans Game l'Expo, on a, là pour le coup c'est une coïncidence, on va dire un large espace autour de la conquête de l'espace, justement, cette conquête des étoiles, une thématique qui a marqué tout de suite le jeu vidéo, très très vite en tout cas, et notamment grâce à 78, l'arrivée de Space Invaders, qui a lancé, on va dire, la mode, juste après Star Wars, le film, donc la mode de ces jeux de science-fiction, et la science-fiction est encore aujourd'hui, d'ailleurs, de nouveau, une thématique très importante de ce jeu vidéo. Vous avez pu discuter un petit peu, vous avez pu échanger un peu avec Monsieur Nishikago? Oui, c'est quelqu'un de très très modeste. Peut-être qu'en Europe, en France ou aux États-Unis, ça serait peut-être trop. Il est extrêmement modeste. C'est plutôt un bricoleur de génie, un technicien de génie, mais il n'a pas eu, même à cette époque-là, l'impression d'avoir révolutionné ou bouleversé en tout cas cette histoire du jeu vidéo. Pourtant, il sait ce qu'il a fait. Sa femme a été au courant 10 ans après qu'il avait fait Space Invaders, donc voilà, quelqu'un de très modeste et de très rigolo, enfin très drôle, beaucoup d'humour. Et vous vous sentez comment à l'approche du début de cette conférence? Un peu tendu, j'ai la gorge un peu nouée comme vous le voyez, un petit chat dans la gorge, j'espère que ça va passer. Non, j'ai hâte, c'est quelqu'un qui a l'air très charmant, j'espère que ça sera actif, beaucoup de monde, en 2 jours on a rempli la salle, donc c'est dire qu'il y avait quand même une vraie attente, moi je pensais pas. Je pensais qu'évidemment il y aurait de l'engouement, mais pas aussi rapidement, donc voilà, comme on peut se tromper. Il y a une vraie curiosité, moi aussi je suis curieux de l'entendre sur des questions, j'ai pas pu poser toutes les questions encore qu'il y a dans cette masterclass, donc voilà, j'ai hâte de voir ce public, les sourires, et puis lui en train de parler, voilà. Donc pas trop d'appréhension pour l'instant, mais vraiment une vraie envie, une vraie curiosité. Can you just say one or two words? How are you before the conference? こんなたくさんの人が見えてんで、私非常に今少し緊張してます。
rencontre avec ce joli Léo. Voilà tout le monde, la conférence vient de s'achever, c'était franchement super intéressant. On a eu pas mal de petites anecdotes à propos de la création de Space Invaders, vraiment très rigolote et vraiment super inattendue, pardon. Mais c'est un petit peu aussi, hein, ça fait partie un peu de la création et de l'histoire des jeux vidéo. Voilà, vous voyez derrière moi le créateur de Space Invaders est en train de terminer sa séance de dédicace et je vous propose d'aller rencontrer tout de suite afin de récolter ses impressions, son ressenti par rapport à sa première venue à Paris et par rapport à la fin de cette conférence, s'il apprécie ou pas. Alors, monsieur, quel est votre ressenti sur la fin de cette conférence? Qu'en avez-vous pensé? そうですね、今日はトークが行われましたけれども、どんな感じでしたか？はい、あの、こんなにフランスで愛されてるなんて初めて知りました。ありがとうございました。 Vous êtes content de venir à Paris? パリに来てどうですか? まだ明日もありますので、楽しませていただきます。 Alors du coup, tu viens d'assister à la conférence de Monsieur Nicky Shadow. Oui. Comment t'as trouvé ça? J'ai bien aimé la conférence, c'était très intéressant. Et je suis surtout content d'avoir pu avoir mes signatures. Très bien, très intéressant. Un grand honneur de rencontrer cette personne-là. Très très rare de rencontrer une personnalité comme ça en France. Donc vraiment très content. Ça fait longtemps que vous connaissez, que vous admirez? Alors son jeu, oui. Lui, personnellement, non, parce que c'est vrai, comme il l'a expliqué à la conférence, il n'est pas reconnu depuis très très longtemps. Mais par contre, le jeu vidéo, oui, je crois que depuis que j'ai commencé à jouer, il y a peut-être une vingtaine d'années, je connais Space Invaders, évidemment. Oui, c'est la première fois que je le rencontre. D'accord. T'as beaucoup joué à Space Invaders, du coup? J'y ai joué un peu à l'exposition qu'il y a ici, mais sinon, j'ai pas beaucoup joué dans ma vie. C'est toujours un bonheur de revenir aux fondamentaux, comme ça. Alors, c'est vrai qu'on prend beaucoup de bonheur à jouer aux jeux actuels. Mais également énormément de redécouvrir des vieux jeux auxquels on a joué quand on était petit nous-mêmes, mais aussi d'en redécouvrir d'autres qu'on a ratés. Mais après, c'est le meilleur moyen de se rendre compte de l'évolution qu'il y a eu au cours du temps avec le jeu vidéo, c'est de jouer à des très vieux jeux et aussi aux mauvais jeux, pour voir que certaines bases qu'on considère comme évidentes aujourd'hui, en fait, il fallait qu'il y ait des personnes comme Tomohiro Ishikado qui soient derrière pour y penser. Voilà tout le monde, la soirée est déjà terminée. Franchement, c'était super intéressant. On a pu apprendre
pas mal de choses au cours de cette conférence. On a pu également avoir quelques petites dédicaces de la part du créateur d'Espace Expedia. Franchement, super sympa, super ouvert. Il a pas mal d'humour malgré son appréhension un petit peu face à ce discours devant pas mal de personnes, puisqu'effectivement, il n'est pas connu depuis très longtemps par le grand public. Et je précise d'ailleurs que cette conférence était publique. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la Fondation EDF, vous êtes directement sur leur Twitter. Et pourquoi la Fondation EDF? Car elle a pu organiser ça grâce à l'exposition qui a lieu en ce moment même au siège de la Fondation EDF à Paris. Il s'agit de Game, le jeu vidéo à travers le temps, dont le commissaire de l'exposition est Jean Z, si vous aidez, c'est un journaliste de France Info, que j'ai pu interviewer au sein de France Info l'année dernière. C'est le commissaire de cette exposition dédiée aux jeux vidéo, je vous invite fortement à y avoir. Un grand merci d'ailleurs à Jean Z au passage qui a accepté et qui nous interview. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo que j'aurais pris vraiment extrêmement de plaisir à faire, beaucoup de plaisir à faire, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Voilà, cette vidéo que j'aurais vraiment pris beaucoup de plaisir à faire et je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain reportage, une prochaine vidéo, bien sûr. Merci à tous, à la prochaine, ciao ciao.